Salut à tous. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de faire un petit bilan, un bilan de cette année 2020 et aussi de faire donc les prévoyances pour cette année 2021. Donc 2020, bon, ben, on va pas épiloguer dessus, coronavirus. Donc par rapport à ce qui était prévu, ce que je peux vous dire par rapport à l'année 2020, au niveau voyage, on n'a pas pu faire donc Rome, Saint-Torin, et la Thaïlande, c'est les trois où on n'a pas pu partir. Donc là, ça va être surtout cette partie-là qu'on n'a pas pu faire. Et là, donc, je vous fais un petit bilan donc, de ce qu'on en a fait en termes de voyage et de professionnel sur cette année 2020. L'année dernière, je l'avais fait juste, j'avais fait un post. On était à New York pour la fin de l'année et début d'année. Donc du coup, ça fait 2020-2021. Et voilà, je préfère vous le faire en vidéo, c'est plus sympa. Donc ici, je vous le fais donc en direct du Costa Rica à Cahuita, exactement au sud-est du Costa Rica, là où on est parti depuis le 27 et on rentre voilà, au mois de janvier le 6. Donc, petit bilan donc de l'année 2020 sur le côté voyage. Donc début d'année, on était à New York où on a fait le premier de l'an. Nous avons eu donc par rapport au coronavirus des voyages annulés et par contre on a pu quand même faire donc un super voyage il y a 2 mois, juste dernières vacances, donc à Tahiti avec 5 îles et ici donc le Costa Rica, c'était pas prévu du tout. Donc voilà, on s'est fait ça au dernier moment où on a passé pareil le premier de l'an ici au Costa Rica. Allez, on va parler de choses plus cool, plus sympas, ce que j'adore. Donc, c'est-à-dire ce qui s'est passé en pro. Donc, il y a eu quand même beaucoup de choses qui s'est fait en pro. Donc, nous avons sur cette année 2020, nous avons signé. Donc, alors, je vais partir déjà sur une première société, société de marchand de biens, où on avait signé donc 6 studettes. Et il y en a déjà eu 3 qui ont été signées en acte pour l'année 2020. Et au mois de janvier, on finit les trois derniers. Donc, première opération avec 2 associés. Donc, il se passe très bien. J'ai même une personne de mon école qui a investi dans ses studettes, qui en a pris 2, qui est en cours de travaux. Donc, je vais faire une réussite participant, élève. Donc, vous pourrez voir ça de A à Z. Ensuite, en marchand de biens, il y a eu 2 achats d'immeubles. Une avec une personne en marchand de biens et un autre avec une autre personne en marchand de biens. Il y en a une qui va bientôt être signée en sous-sein et la deuxième immeuble aussi, car il est revendu à un de mes élèves et l'autre un autre élève. Donc du coup, je leur mâche plus ou moins le travail. Ce qu'il y a, c'est que je sais que moi, quand je les achète, donc moi je suis obligé d'avoir donc ma rentabilité derrière par rapport à la banque, qui est au minimum de 20%. Ces 2 achats ont été faits en achat cash. Les studettes ont été faits avec un prêt, mais coronavirus, tout ce qui était marchand de biens, vous avez pu voir dans les vidéos que je vous parle, en marchand de biens, les banques ne prêtent plus, donc il a fallu financer la totalité de ces 2 immeubles. Et donc là, on va signer les sous-seins. Je suis content pour mes élèves parce qu'en plus, sur un premier, on prévoit un appartement de plus et sur l'autre, on prévoit quand même 2 à 3 appartements de plus. Donc j'ai fait une vidéo donc sur celui de Nérac que vous avez dû, qui a été beaucoup vu, plus de 430 et quelques fois, où je fais le tour de l'immeuble à l'intérieur et j'explique la rentabilité sur 6 et donc on peut finir sur 8 voire 9 appartements, donc on explose encore le cash flow. Alors celui-là, c'est mon petit préféré. Signature donc d'un projet de construction à Bali, comme vous avez pu le voir. La construction a du coup donc tout le projet. J'ai dessiné les plans de la maison avec l'archi. On a tout fait par visio. On a choisi aussi le terrain par visio. Mais comme on était allé l'année d'avant à Ubud, donc on avait pu savoir un petit peu où était le secteur. Donc voilà, la construction a commencé le 20 novembre. Théoriquement, ça doit être livré pour fin juin. Donc voilà. Donc signature du projet et ouverture des chantiers à Bali.
J'ai aussi créé trois formations. Donc vous savez que j'en ai aujourd'hui cinq formations. La construction, la double construction pour pouvoir faire 100 000 euros de plus-value. Qui, ben, on ne va pas dire qu'elle est erronée, sauf que les 100 000 euros de plus-value vont se transformer entre 140 voire 150 000 euros. Donc ça, je pense qu'au moment où je ferai la vente, je vous ferai une vidéo sur ça. Comment rechercher le bien rentable. Et du coup ça marche très très bien parce que je vois que les élèves du coup quand ils m'envoient sur leur recherche c'est très très bien ciblé. Le dossier bancaire et puis la dernière l'immeuble de rapport, c'est mon petit péché mignon, ce que je fais faire à tous mes élèves. Donc il y a ces trois créations de formation en plus de la double construction et de la construction qui avait été faite fin d'année 2019. La sortie de mon livre. Voilà, jamais j'aurais pensé que j'aurais pu écrire un livre, donc c'est moi qui l'ai écrit, pas quelqu'un d'autre qui l'a fait pour moi, ça il n'en était pas question, donc je l'ai fait, donc il est en vente sur Amazon en Kindle ou en format broché, donc ça marche plutôt pas mal, je suis content, à la qu'on gagne de l'argent, ça c'est pour vous le dire, mais au moins on voit toute l'évolution que j'ai eue et ça peut vous motiver parce que c'est tout à fait possible de pouvoir y arriver en partant de rien. Avec 3000 euros de côté et arriver à faire ce que l'on fait aujourd'hui. Je réserve une petite vidéo que je vais préparer ici à Kawita. C'est de l'âge de 9 ans jusqu'à 36 ans, les voyages que j'ai fait et au-delà de 36 ans, les voyages que j'ai pu faire grâce à l'immobilier. Donc ça sera dans une autre vidéo. La vente, donc, c'est trois studettes en société et trois appartements en nom propre. Qui se sont faits juste un peu avant et à la fin du première tranche du confinement du coronavirus. Vous avez déjà entendu parler. Cette ancienne boulangerie, j'ai divisé en trois lots. Donc les trois ont été revendus, ont été signés. Et grâce à ces trois-là, c'est ce qui me permet de faire le projet à Bali. Plus, écoutez, on y vient de suite. Donc cette expatriation en cours en Floride qui doit être pour fin juin. C'est ça surtout que cet argent a rapporté pour pouvoir faire ça et un petit peu plus, j'en parle à la suite. Donc j'ai fait aussi la création de marchands de biens, donc j'ai fait deux créations de sociétés de marchands de biens. Il y a aussi une société de sous-location professionnelle parce que je fais aussi la sous-location professionnelle et la création donc de la conciergerie Frenchy Home Conciergerie. Donc c'est pour ça qu'aussi vous avez sur YouTube les Frenchy en Floride puisqu'on va ouvrir cette conciergerie en Floride et je vais aussi faire du marchand de biens. Donc je vais proposer deux choses de ce que je vais faire en Floride, c'est-à-dire qu'on va faire donc la conciergerie, on va faire de l'achat rénovation, revente américain ou français, déjà si vous voulez investir là-bas, et aussi achat, rénovation, location annuelle. Je vais pouvoir gérer la location annuelle parce que là-bas en Floride, aux États-Unis en général, ils payent, c'est pas comme en France, sinon le shérif, au bout de 10 jours, 15 jours, il te fout dehors, et donc voilà, il n'y a pas de trêve hivernale, il n'y a rien du tout là-bas. Et après si vous voulez investir faire du Airbnb parce que c'est ce qui marche le plus là-bas, là on va se retrouver en Floride, donc à l'ouest de la Floride, Clearwater, Dunedin, Palm Harbor, Saint-Pétersbourg qui est un petit peu plus bas. Donc on va pouvoir gérer nous tout ça pour vous, comme on fait exactement en France, on vous gère le bien, on prend un pourcentage et vous avez le téléphone qui klaxonne en disant voilà réservation, Airbnb, booking. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est en période de coronavirus, je peux vous dire que moi Gujan, le T3 et le T2 que j'ai en sous-location pro, c'est réservé. Il y en a un, il a tourné tout le mois de novembre pour le T3 pratiquement. Décembre, pareil, le T2, pareil. Pourquoi ? Parce qu'on a refait, on a repris des formations et pour bien faire les pubs Airbnb. Et j'ai aussi donc la deuxième maison à Saint-Quentin-de-Baron qui est en vente, mais qui sert de Airbnb pour le moment, qui repart à tourner puisqu'on vient de le mettre juste avant de partir. La création de la holding, bien sûr, voilà, parce que maintenant avec 7-8 sociétés, bien sûr, il faut regrouper tout ça, faire monter les flux de trésorerie, voilà, donc il y a la création de la holding qui a été faite et on va relier toutes les sociétés directement, ce qui va pouvoir permettre d'appayer beaucoup beaucoup moins d'impôts, de pouvoir avoir une super fiscalité derrière, donc voilà. Et cette expatriation voilà pour l'année 2021 qui nous tarde,
Et pour finir, je fais un séminaire donc, qui devait être le 3 et 4 octobre, qui a été repoussé au 23-24 janvier, sauf que Corona a encore bloqué. Et donc là, 27 et 28 mars, théoriquement, on croise les doigts, ça devrait être bon. Un séminaire que j'organise au Golfe du Médoc. On est 10 participants pendant 2 jours. Et j'ai mes têtes d'affiche et j'ai un intervenant mystère que je viens de rencontrer, du moins je ne l'ai pas encore vu mais on a discuté. Franchement, je lui tire mon chapeau, c'est magnifique ce qu'il fait et il sera là donc pour vous le faire partager. Tony Jazz qui est là, qui est de suite à chaque fois qu'il y a des prolongations du 3-4 au 23-24 janvier, et là tout le monde a répondu présent, donc super, je suis hyper content. Sauf qu'au 3-4 il n'était pas là. 24-23 il était prévu et le 27-28 il sera là. Mais Caroline Artaud qui va venir intervenir 2 jours dans le séminaire. J'ai mis le programme dans mon Facebook, il reste quelques places. Donc si vous voulez venir passer 2 jours en très petit comité, on n'est pas plus de 50, vraiment pour pouvoir discuter avec tout le monde, parler avec Tony qui vient le samedi, Caroline qui est là le samedi et le dimanche, l'invité mystère qui est là le samedi et le dimanche aussi. Comptable, fiscaliste, puis d'autres personnes que j'en passe, que peut-être vous avez déjà vu, mais là vous pourrez discuter avec eux. C'est pas un séminaire de 300, 500, 1500 personnes. J'ai pas voulu, déjà, un, je pense que je l'aurais pas rempli, déjà, et deux, ce que j'ai voulu, moi, c'est quand j'allais en séminaire, j'étais frustré de pas pouvoir discuter avec les speakers, et donc là on va pouvoir le faire. Et même quand on va manger avec les speakers et on va pouvoir discuter avec eux. Donc ça va être de 8h le matin jusqu'à 19h, 20h le soir, facile. Donc ça, samedi. Et dimanche, donc voilà, il reste quelques places. Si ça vous dit, ben, vous m'envoyez un petit message et savoir ce qui reste comme place. Petite parenthèse, je fais ce qu'on appelle le ticket d'or, donc c'est à dire que j'ai pris 50 livres et dans les 50, j'ai une vidéo sur ça sur YouTube si vous voulez la voir. J'ai mis dans 2 livres une invitation, donc il y a 2 invitations à gagner juste en achetant mon livre, 19,90€. Voilà, vous me dites, je veux le livre, je t'envoie le lien, tu l'achètes, tu choisis un numéro entre 1 et 50 et je t'envoie le livre. Même moi, je ne sais pas où sont planqués les tickets. Pour regarder la vidéo, elle dure un petit peu de temps, mais j'ai voulu être vraiment très transparent. J'ai mis dedans, j'ai tout mélangé, j'ai mis le numéro derrière et hop, à chaque fois qu'on me demande, j'envoie. Donc voilà, donc vous pouvez peut-être gagner votre place comme ça ou participer en prenant votre ticket. 497€ pour 2 jours, on va dire que c'est pas cher parce que bon, mais un séminaire ça coûte très très cher derrière. La location de la salle, il y a les repas en option. Pour le moment, tout le monde a pris le repas, c'est 45€ le repas. Par contre, vous ne serez pas déçus. Voilà, mais par contre, juste cet investissement, parce que pour moi, c'est un investissement. Moi, je l'ai fait, j'ai fait beaucoup de séminaires et c'était vraiment top. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Vous allez apprendre les petites astuces que vous ne pourrez pas avoir dans les formations, car on ne peut pas les donner. Et là, c'est vraiment top. Voilà pour cette année 2020. Donc 2021, il y aura ce fameux séminaire. Qu'est-ce qui est prévu pour le moment comme voyage? Ben écoutez, là on est au Costa Rica, donc ben, Costa Rica. Au mois d'avril, là on va prendre les billets, donc Bali, puisqu'on va aller choisir les meubles pour la maison. Donc vous voyez le contenu, la construction au fur et à mesure, et puis ben, la Floride. Voilà. Après on verra, puisque comme on fait jamais le premier de l'an maintenant dans le pays où on est, on ne sait pas, peut-être. Les Bahamas ou quelque chose comme ça, on voudrait y aller comme c'est pas loin, donc on verra ça. Finir la vente de ces 3 studettes, donc ça c'est pour 2021. Les 2 immeubles puisqu'ils seront vendus en 2021, l'expatriation en Floride 2021, la livraison de la villa à Bali. Franchement, ça nous tarde juste. Alors franchement, d'avoir fait c'est comme ça qu'on grandit très très rapidement, parce qu'on a fait donc ces 3 appartements, et avec la vente de ces 3 appartements, pour faire ça derrière, c'est juste magique, j'aurais jamais pensé. Donc voilà, le séminaire, donc le 27-28, je me répète, mais ça va être, pour une fois qu'il y a un séminaire en Gironde, et pas d'aller à Paris, payer le train, l'hôtel hyper cher, là, vous pouvez dormir sur place aussi, mais voilà. L'achat de 1 à 3 immeubles de plus pour cette année. Alors c'est pas parce que je pars en Floride que je vais pas pouvoir le faire, en plus parce que moi je vais rentrer 4-5 fois en France, puisque moi j'ai mon école
qui tourne super bien. Je suis super content des élèves, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, de la positivité, ça bouge bien. J'ai un très très bon groupe, donc je suis content de pouvoir les suivre, de les aider, me le rendre bien. Donc voilà, acheter des immeubles, puisque j'ai quand même mes partenaires qui restent ici, et moi faire un calcul, j'ai pas besoin d'aller visiter, de faire 36 000, c'est d'avoir appris au fur et à mesure. Tu vois très très vite si ton bien est rentable ou pas. Et donc l'ouverture de cette conciergerie. Donc là, au mois de janvier, on va avoir l'ouverture de la société. C'est juste puissant là-bas, parce qu'une société là-bas, on est taxé à 5%. C'est pas comme ici en France, où on est taxé à 40%, voire 28% jusqu'à 40%, ça dépend de ce que tu fais. Donc c'est énormément taxé. Donc voilà. Et après, petit point, ce qui va être bien, c'est de faire transiter l'argent de société en société. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà pour cette année 2021. J'espère que ce corona va nous laisser vraiment tranquille. Donc il nous a pas laissé tranquille en 2020, ça m'a pas empêché. On continue à se former. Vous voyez là, j'ai pris mon petit bouquin que j'ai eu par le papa de Noël. Je vais le recommander à mes élèves. Donc ici, je sais pas si vous n'allez pas l'avoir dans le bon sens. Donc c'est ne coupez jamais la boire en deux. Une histoire vraie d'un négociateur du FBI. Donc j'ai commencé ce bouquin hier. Je vais continuer à le lire là. Franchement, waouh. J'adore de la négociation, c'est dans ça que je suis bon au niveau des immeubles. Je vais me lancer quelques fleurs parce que je fais des bonnes négociations pour vendre, moi, pour gagner de l'argent et pour en faire gagner aussi à mes élèves, parce que pour le moment j'ai revendu qu'à mes élèves. Les studettes, il y en a deux à une élève et les quatre autres, non, ça a été c'est vendu directement, mais par contre ce que j'ai fait après, les autres immeubles, ouais, ça a été directement avec mes élèves, ils en veulent et donc moi je fais tous les calculs, donc je vais très très vite pour savoir si c'est bien ou pas. Voilà, donc la négociation est très très bien. Il faut se former, il faut avoir un gros mindset, il ne faut pas lâcher. On a envie de lâcher, on a marre, faut pas, voilà, c'est juste ça, faut s'il y a besoin. Une autre chose que je vais vous faire, donc le site Michael Ballot Formation, donc sur la construction, va évoluer là incessamment sous peu. Donc il va y avoir tous les onglets avec toutes les formations que je pourrai vous proposer. Je vous ai créé aussi donc pour cette année des packs coaching. Donc si vous pouvez pas acheter une formation, il y a des packs coaching. Et là je suis en train de vous préparer quelque chose mensuel, 3 packs mensuels avec des montants différents et pour faire des rendez-vous, donc rendez-vous téléphonique en visio. Voilà, je suis en train de vous préparer ça. Ça devrait sortir courant fin janvier, si tout va bien, début février. Je sais que tout le monde ne peut pas mettre plus de 1000 euros dans une formation ou dans des trucs comme ça, dans l'école, 3100 euros pour l'année. Après, ce qu'il y a, c'est que derrière, c'est vite rentabilisé. Moi, toutes les formations que j'ai achetées, c'est juste, j'ai gagné, je peux pas vous dire combien j'ai pu gagner derrière, mais ça m'a multiplié mes gains. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas fait le calcul. Je veux pas dire de mauvais chiffres, mais voilà, ce qui me permet aujourd'hui de vraiment me faire très plaisir, parce que quand on voyage, je voyage pas tout seul. Donc c'est pas le même coup que quand on voyage tout seul ou à deux. À chaque fois qu'on voyage, c'est 5-6, donc avec les enfants, la belle-maman, voilà, donc déjà 3 enfants, nous on est déjà 5, donc 6, là au Costa Rica on est 5, à Tahiti on était 6, donc voilà, c'est pas donné, c'est pas les mêmes montants pour les avions, les hôtels, mais des fois il faut prendre 2 voitures. Il faut prendre 2 chambres, donc voilà, donc grâce à l'immobilier ça m'a permis de faire tout ça et juste que je peux dire que tu peux y arriver, c'est juste qu'il faut le vouloir, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut se former, ça je vais encore te le répéter, tu te formes et ça marche. Je le vois, j'ai des élèves qui sont rentrés, ils ont fait des opérations, j'ai des amis qui ont fait des opérations et bien, ils se sont plantés, ils n'ont pas tout calculé, ils pensaient que ça leur rapportait plus que ça, et bien non, ils se sont fait avoir sur la fiscalité derrière, donc voilà, non, ça marchera pas tout seul. Vous n'y arriverez pas avec tout ce qu'il y a sur internet, ça c'est clair et net. Il y a plein qui me l'ont dit et je vois qu'ils se sont bien croûtés. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, les amis, écoutez, on se voit soit au séminaire 27-28 si vous êtes présent, si vous avez des questions, écoutez, en dessous de la vidéo, écoute,
petit like, petit partage, commentaire dessous. Dis-moi ce que toi tu prévois en 2021. Ça sera avec plaisir que je vais te répondre. Et puis c'est moi qui vais te répondre. Voilà, allez, sur ce, il fait un petit peu chaud, il fait 30 degrés. On va boire un petit coup là. Et puis on va continuer à bosser un petit peu, à bouquiner. On est en vacances quand même. Allez, ciao tout le monde.